Alors, je suis Nicole Bouillon, l'épouse de Roger Bouillon, qui est donc l'un des inventeurs de cette grotte Mayenne Science. Le nom Mayenne Science a été donné à la grotte parce que ce groupe de spéléologues appartenait à une société scientifique de Laval qui était présidée par un certain monsieur Vallée. Et donc ce groupe était rattaché à cette société scientifique à Laval. Le groupe était constitué de plusieurs profils, on va dire. Il y avait des profils de gens qui étaient intéressés par la géologie, par le territoire en lui-même, et puis aussi par l'aspect sportif que présentait la spéléo, puisque ce groupe-là avait fait des sorties, notamment dans les Alpes, et pour expérimenter donc des descentes dans des cavernes, etc. Donc il y avait un intérêt, à la fois un intérêt sportif et un intérêt, je vais dire, culturel et scientifique. Donc Roger Bouillon, mon mari, était un peu le leader de cette équipe qui était constituée aussi de gens plutôt jeunes. Il y avait Luc Avignon qui était enseignant, Daniel Bardou qui était un artisan. Enfin, il y avait des profils différents. Il y avait aussi des amateurs de photos dans ce groupe-là. Donc voilà, un groupe de copains en quelque sorte, avec des compétences complémentaires, donc qui a bien fonctionné. Une belle journée d'été, donc le groupe est arrivé en prospection sur le site et ils se sont mis donc à déblayer parce que l'entrée de la grotte par laquelle nous accédons aujourd'hui avait été bouchée par des détritus en fait. Donc ils ont commencé par retirer tout ça et puis ils ont pénétré à tour de rôle et se sont enfilés dans ce petit boyau là qui était très très étroit, évidemment avec tout ce qu'on peut imaginer comme enjeu puisqu'on ne sait pas où on va, comment ça va aboutir. Donc moi j'étais restée à l'extérieur de la grotte parce que j'étais enceinte et je ne pouvais pas entrer. Donc je les ai vus partir les uns après les autres dans ce petit boyau. Évidemment il n'y en a pas un seul qui a fait demi-tour pour informer de ce qui se passait. Ils étaient bien trop passionnés par leur aventure et donc dans un premier temps, ils ont d'abord découvert une grotte, ce qui était déjà quelque chose de formidable, avec des stalactites, des concrétions qui étaient évidemment immaculées, puisque bon, ça n'avait jamais été visité par quiconque. Donc ils étaient absolument émerveillés par cette découverte. Et puis ils ont continué à progresser à l'intérieur de la grotte, jusqu'à ce que Daniel Bardou, au moment où ils étaient sur le point de faire demi-tour d'ailleurs, découvre, alors qu'il était sur le dos à ce moment-là, il y avait un cheval donc de dessiner au plafond de la grotte. Évidemment, après, ils se sont mis à explorer les parois de façon très minutieuse. Et le temps a passé, et moi j'étais toujours dehors, il était 9h le soir, ils n'étaient toujours pas sortis de ce trou, je les avais vus entrer là-dedans, ils n'en sortaient pas, je me demandais bien ce qui se passait. Et j'étais évidemment très inquiète et donc j'ai commencé par les engueuler copieusement quand ils sont sortis parce que j'avais besoin sans doute de me défouler et j'étais vraiment très angoissée. Dès que j'ai pu entrer dans la grotte, évidemment, j'avais hâte de pouvoir découvrir cet univers. On est absolument transposé, transcendé, quand on réalise qu'on est là dans un lieu qui a été visité il y a 15 000 ans. On est véritablement dans un sanctuaire, quoi. Il y a une forme de... Oui, le mot sanctuaire, je crois, est vraiment ce qu'on a ressenti tous, hein. Euh,
le fait d'avoir le privilège finalement de rentrer dans un lieu qui n'a pas été visité. Le site de Sauges en lui-même, c'est pour moi, c'est un sanctuaire, l'ensemble du site. Il y a la grotte, bien sûr, mais il y a ce site qui est absolument magique, qui est, on sait maintenant qu'il a été visité depuis les hommes du Néandertal jusqu'aux Mérovingiens. Et quand on vient ici au site de Sauges, comme aujourd'hui, quand il fait très très beau, qu'on y est le soir, lorsque la nuit commence à tomber, il y a toute cette odeur des buis, du mus, de la végétation, cette lumière à travers cette végétation qui est très dense, qui vous transporte, quoi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Ouais, c'est presque mythique. On se sent vraiment tout petit dans cette nature et dans cette histoire qui s'impose à nous en quelque sorte. C'est vraiment majestueux le site de Sauges. Moi je remercie vraiment beaucoup d'avoir eu dans ce département des responsables, hein, des Jean Arthuis et autres élus du secteur qui ont compris très vite l'intérêt et qui se sont investis, qui ont fait en sorte que ce site puisse être préservé. Quelque part, c'est un vrai bonheur aujourd'hui de pouvoir transmettre aux générations futures cette découverte. Avec tous les moyens technologiques modernes dont on dispose aujourd'hui, c'est fantastique parce qu'on peut visiter la grotte sans la détériorer, en la conservant aussi intacte que possible. Et ça, c'est une vraie chance de pouvoir allier la technologie moderne au patrimoine et à l'histoire. Merci à tous ceux qui s'investissent pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de savoir d'où l'on vient, à défaut de savoir où l'on va.